petit frère Riley pour avoir eu son brevet de pilote. Merde, où il est, ce petit enfoiré? À la black card de mon paternel et à ma black card. Oh putain, j'ai pas pris de son bouquin depuis que j'ai 20 ans, tu crois? En route. Il est tombé dans les pommes, ce con. C'est la porte. Oh, Jason, aide-toi, rentre. Tu es dingue, Jay. Et lui a très bon prof. Ouais. Wouh. C'est pas vous qui êtes mort. Hein? Vous sautez d'un avion. Vous volez. C'est vrai que c'est dingue. Cool le téléphone. J'adore ce téléphone. Alors, c'est qui nos clients? Grant et Jason. De Californie, hein? Hein? Bah, j'espère que papa et maman vous aiment vraiment beaucoup parce que deux petits blancs comme vous, ça sent le fric. Et c'est bien, moi j'adore le pognon. Pardon, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je t'ouvre en deux comme ton copain? C'est ça? Ferme ta gueule! Ok? C'est moi qui ai les couilles ici! Regarde-moi, putain! Me lâche pas du regard! Hey! Connard! Regarde-moi dans les yeux! T'es ma chose! C'est moi le roi ici! Et toi, tu la fermes ou tu crèves! Qu'est-ce qu'il y a, Jason? Hein? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu rigoles plus comme là-haut tout à l'heure? Pourquoi vous rigolez plus? Vous ne trouvez pas assez drôle? Moi, je sais. Je sais ce qu'il y a. Dans le ciel, vous étiez sûr de gérer. Loin, en plein dans les airs, vous étiez sûr de tenir votre vie au bout de vos doigts. Mais Elmano, maintenant, vous êtes ici. L'atterrissage est rude. Ça va aller, on va se calmer, ça va, parce que toi, moi, et ton frérot la brute, on va bien s'éclater en attendant que le fric arrive. Arrête d'effrayer les otages, va plutôt t'occuper des rebuts. J'espère quand même que vous serez un peu plus marrant que vos amis. Allez, à plus. Vous manquez déjà, je vous jure. Salut tout le monde, c'est Tarask. On se retrouve sur un nouveau jeu, Far Cry 3, que je débute en même temps que vous. Et le début me laisse sur le cul. Sans jeu de mots. Ça c'est bien vrai, complètement taré quoi. Et l'autre il voit rien, l'autre garde là, non il a le dos tourné pendant ce temps. Tiens, prends ça le garde. Heureusement que lui il a fait l'armée. Heureusement que j'ai un frère débrouillard. Alors, on va essayer de pas se faire repérer. Oula, la souris est super sensible. Je vais regarder si dans les options je peux changer un petit peu ça. Je fais ça très rapidement. Qualité vidéo, c'est au max, c'est bon. Jouabilité, réticule, difficulté en normal. Non, peut-être dans les commandes. Sensibilité du regard. Pourtant, c'est pas bien élevé. Accélération souris, bon, je sais pas ce que c'est, on va voir comme ça. Bon, on va s'habituer. On y va. Essayez de pas vous rendre malade en,
en tournant la vitre vite. Faire gaffe, comment je fais pour m'accroupir moi? Bah oui, mais moi j'aimerais bien qu'on me dise comment m'accroupir. Bon, c'est un méga fail dès le départ. Oui, j'ai bien vu que mon frère était accroupi, pourquoi moi je marche debout tout plan là en plein milieu du camp de réfugiés armé jusqu'aux dents. On va essayer les touches. Voilà, c'était RL. Ouais, par contre, j'avance comme une tortue. Voilà, bah là, ils le disent. Alors, soit je l'ai pas vu avant, soit ils avaient oublié de le dire. C'est possible que je l'ai pas vu. Alors, ne faisons pas de bruit. Un cochon, c'est génial pour manger les cadavres et je vois qu'ils l'ont utilisé bah, pour ça justement. Ah, en fait, il faut appuyer sur l'échappe pour les didacticiels. D'accord. Heureusement qu'il s'y voit rien. De la barbaque. Oh, je le prendrais bien par derrière, lui briser la nuque et lui prendre son arme, mais c'est pas ça qui me sauverait. Alors, ici. Ici, il y a plein de trucs. Un briquet, un téléphone. Voilà, on a looté plein de trucs. Non, ok, je m'arrête pas. Je me baisse. Oui. Je me planque. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Balance une pierre là-bas. T pour jeter une pierre. Balancer une pierre donc par là-bas. Tu dois dépêche-toi. On y va. On se taille pendant qu'il ne nous regarde pas. Si je pouvais caillasser les poules. Ah, ça s'est fait automatiquement, là j'ai rien fait. C'est qui? Ah, un petit air avec Hitman là, le couteau, toujours pratique. Ouais, mon personnage est une lopette, enfin il a jamais tué personne quoi. Ok, je suis désolé. Sans déconner, c'est vrai. Je rigolais. D'ailleurs, si on pouvait faire comme dans Hitman, se déguiser en garde, ce serait pratique. Avec le foulard et tout, il pourrait pas nous reconnaître. Ah, ils sont super nombreux maintenant. 1, 2. 2 de moins. Ils ont quand même la téloche ici. La téloche, des bières, des armes. Ils ont tout ce qu'il faut pour vivre heureux. Ils ont des plantes. Bon, aux feuilles, on devine ce que c'est. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour vivre heureux. Alors, on va balancer une pierre. Allez, j'ai balancé le caillou, on continue. On continue. Ouais, on devrait pouvoir réussir à se tailler dans peu de temps. J'ai entendu un hélico.
Ah bah c'est les deux otages qui restent avec Van ou Vas, je sais plus trop, le cinglé là. C'est du trafic d'otages en fait ici, quoi. Ils prennent des gens en otage pour demander des rançons. Ouah, je suis pas sûr de la solidité des planches moi. Ouais, y a une sortie. C'est presque trop facile. Un checkpoint. Où est-ce qu'on est ? On n'aurait jamais dû sauter comme ça sans savoir. J'avais promis à papa de veiller sur Riley et toi. Tu vois où est Riley sur la carte ? On va le retrouver. Après, on va libérer les autres. Et ensuite, on pourra. Oui, je le vois sur la carte. Il est là. Là. Ah bah oui, quelle idée. Quoi ? Non, reste en vie, Grant. Ça fait pas peur. Je sais pas ça. Tiens le coup, Grant, allez. Non, mais tu t'es parti avec ta petite gueule, Grant. Là, t'entends pas tout ce que j'ai. Non, non, non. Et puis, je reviendrai après ce que je voulais dire avec moi. Grant, refuse-moi. Grant. D'accord. Non, je respecte ça. Je vais te donner 30 secondes. Et si cette jungle ne t'avait pas tout cru, je le ferai. Allez, mets de la merde dans les oreilles. Il court, Forest. Alors, comment on court? Comme ça, on sprint, ok. J'ai pas le temps de prendre la jungle. Ah, il a dit qu'il me laissait 30 secondes, ça fait pas 30 secondes. Ça fait pas 30 secondes. Et eux, ils ont des mitraillettes, moi j'en ai pas. Moi, je me pète la gueule. Ah, c'est quand même vachement bien fait, c'est très immersif hein, comme début de... Aïe. Comme début de crack, comme début de partie. J'ai dû me péter les deux jambes. Ah, il me voit encore. Bon bah, on continue, Taillot. Ouais, la végétation est très détaillée, on ressent vraiment les mouvements du personnage quand il court. Hein. C'est vraiment magnifique. C'est quoi ce bruit? On aurait dit un ours. Allez, allez, on sprint, on se sauve. Est-ce qu'il y a des plantes grimpantes? Allez, grimpe! Comment est-ce qu'on grimpe? J'ai beau sauter, il veut pas grimper. Voilà. Ah, je veux bien les retrouver, mais j'ai pas de carte, j'ai rien. Hop, on va s'accroupir là-dessous. Là, je devrais être tranquille. Je crois que non. Non, je suis pas si tranquille que ça au final. Allez, reprends le couteau. Reprends le couteau. T'as pas le temps de te dire merde. Reprends le couteau. Je veux ce couteau. Je sais par où. Il est où? Ah, je suis déjà perdu dans la jungle. Je ne sais pas où on est. Si, c'est là. Je peux pas reprendre le couteau? Non, je peux pas reprendre le couteau, Taillot. Un vieux pont comme ça suspendu. Ouais, je sens déjà le carnage. Ouais, je cours dans les balles, j'ai pas peur. Bon ben un début mise en scène fracassante hein, on dira pour ce Far Cry 3. Le frère meurt, tous les potes sont kidnappés, d'après ce que j'ai compris. On nous demande une rançon et moi je suis en train de me noyer. Ah, je suis sauvé par un bras tatoué. Ah, il a l'air d'envoyer du lourd.
Les chargements sont sympas. C'est une bonne question, mais il y a un tatouage qui fait peur. Enfin, une tête qui fait... Ah! Tatouage. Nager avec des requins, c'est très courageux, mais se faire bronzer sur une plage avec des pirates, c'est de la folie. Si tu le veux, tu as le droit de me tuer. Et moi aussi. J'ai ce droit sur ta vie. Ouais, je pense que t'es plus en condition de négocier que moi, là. Je suis Dennis. Jason. Bangao. Lava lava. Le héron, le requin et l'araignée. Je sais qui tu es, Jason. Tu es un guerrier. Et le tatouage. Ouais, je sais pas si c'est vraiment un guerrier d'après ce qu'il nous a montré le début. Ah, il a un magnifique collier, il vient du Bronx. Vous allez m'aider ? Il n'y a que toi qui puisse t'aider. Moi, je vais te libérer. Ok. Qu'est-ce que je fais ici ? Oh, une ville avec des néons, c'est Noël. C'est vrai que c'est joli. Je vous présente Jason Brody. Jason Brody. A échappé à Vass. Vass, c'était le cinglé. L'évasion est le signe que le vent a tourné. Notre peuple attendait ce genre de nouvelles. Ça, c'est votre peuple. Cette île n'accueille que les plus forts. J'y ai été appelé. Ses habitants, les Rakiat, m'ont accepté. Je fais partie de la tribu. Ça va, ouais. À toutes celles que je veux. Mais mon cœur a déjà trouvé preneur. Tiens, de quoi acheter des armes ? Ah, par contre, toujours le bon vieux pognon, quoi. Ton frère, n'est-ce pas ? Je vais tirer sur personne. Qu'est-ce qu'on dit dans ton pays ? Rien n'est impossible. Aux gens décidés. Et aux gens qui ont du pognon. Alors là, je reprends le contrôle. Là, c'est quand même assez joli ce village. Ça clignote à la lumière et tout. C'est vivant. Alors, acheter un 1911 à la boutique. Ça va être ici. Une boutique d'armes. Vous voulez acheter quoi ? Tout. Acheter, j'ai 60$ sur 1000$. Je peux acheter que ça pour le moment. D'accord, j'ai les petits stats et tout, précision, machin et tout. On n'a pas le choix, on va le mettre en haut. Connecter ces tours à Dieu. Sans elles, je ne peux pas connaître les stocks des autres villages. Et croyez-moi, ils stockent souvent du super matériel. Alors, reconnecter des tours radio qu'elle me demande. Alors, suis-moi, mon ami. Ici, l'énergie provient de la chambre. De partout dans l'île. Apprends à la connaître. Cela t'évitera une mauvaise surprise. Vas utilise chacune de ces tours pour voir l'île et localiser ses sbires. Ses sbires ? Mais il y a des brouilleurs. Ce type d'appareil ne sert à rien en ce qui nous concerne. Mais à toi,
Ils fourniront des informations indispensables. Un diactyl pour les armes gratuites. Si vous activez les pylônes radio, leur coût est réduit à zéro. Ah bah oui, très intéressant. Et ces brouilleurs sont au sommet. Chaque tour couvre une zone particulière. Sabote-les toutes et tu as accès à la carte au complet. Bon, on va faire ça. Alors, je te suis, Denis, je te suis. Mais tu marches tout doucement. Je me mets accroupi, je marche à la même vitesse que toi. Non, mais m'accroupi, je vais plus vite que toi. Alors là, on va arriver. On est où là? J'ai un flingue. Ah, il a bob comme ça. Ah, c'est un centre d'entraînement. Viser, tirer. Bon, je veux pas tuer mon pote, mais. Enfin, mon pote, façon de parler. Oui? S'il y a quelque chose que je dois faire de particulier ici? Une caisse. Des munitions et une carte à jouer. Alors on va bien prendre le temps de zioter. Après tout, on est en territoire hostile, hein. La jungle, c'est pas des vacances. Ça c'est quoi? Des munitions. Et ça c'est... Voilà, container. Encore une carte à jouer, du pognon. On va vite fait sur une cible comment il tire. Ce niveau viseur, c'est pas très précis. On va se débrouiller comme on peut. Alors, je dois aller là-bas. Au pylône radio. Est-ce que je peux ouvrir les bâtiments? Non, et là, il y a quoi? Du pognon! Et le pognon, c'est la survie. Enfin, les armes, c'est la survie, et le pognon permet d'acheter des armes. Donc, plus j'ai de pognon, plus je suis vivant. On va en profiter pour faire un petit tour d'horizon. On voit toujours le collègue, là-bas. Hein, graphiquement, il est magnifique. Les herbes et tout, la modélisation, c'est... C'est bien joli. Les cailloux, par contre, sont pas bien jolis. Ouais, ça empêche pas deux, trois petits bugs, quoi. Après, c'est vrai qu'on est pas dans la jungle pour regarder chaque caillou non plus. Ah, je dois aller là-haut. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah! J'ai un couteau. Je peux faire un coup de couteau. Peut être pratique. Petite musique qui fait peur, on va essayer d'être discret. Ah, j'ai le viseur en rouge. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas gentil devant. Un serpent! Je veux pas le tuer. Ça me dit, serpent... Peu de créatures sont aussi méprisées que les serpents, hein, comme toujours. Ah, ils sont venimeux, évidemment. Je peux en faire quelque chose ou pas? Non. Une chaîne en or, du pognon. C'est très important de choper du... de l'argent, du stuff. Bien tout fouiller. Ah, le soleil se lève. Bon, je dois grimper là-haut. Alors, moi qui ai le vertige, ça m'arrange pas. Ah, c'est joli, quoi. C'est joli. Ah, c'est même magnifique. Et c'est haut. Encore au sommet avec le soleil qui se reflète sur l'eau et tout,
Non, vaut mieux pas regarder en bas. Ah, une caisse. Oh, j'ai même l'impression que c'est pas très solide, que ça tremble et tout. Je veux pas rester sur cette infrastructure. Il y a une échelle là. Allez, c'est une échelle. C'est une échelle dans l'autre sens. Il y a des mouettes. On doit être vers l'océan. Enfin, c'est vrai qu'on est sur une île, donc il y a de l'océan partout. Ouais, c'est plutôt grand. Donc, c'est un monde ouvert, donc c'est énorme. Là, il y a une caisse. Une gemme, des munitions. Ouais, j'ai un petit indicateur de mètres en bas à gauche vers ma carte. Vous voyez, si je bouge 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. D'accord, et c'est comme ça qu'on rétablit les pylônes. Et ça me dévoile un petit peu la map. Ok. Ah, c'est un peu comme les points de vision dans Assassin's Creed, donc les tours de guet. Et maintenant faut redescendre. Ah, utiliser la tyrolienne pour descendre plus rapidement. Alors mon gars, c'était une lopette au début et maintenant il grimpe tout en haut d'un pylône qui tient debout, on sait pas trop par quel miracle, et il descend en tyrolienne. Efficace, hein? Il a dû se cramer la main. Bien, montre-moi ta carte. Alors, la carte avec virgule. Tu vois, tout ce que tu dois savoir t'a été révélé par la tour radio. Les boutiques, les aventures, l'île te parle. Et les marchands viennent de loin, Jason, comme toi. Ils utilisent les tours radio pour faire du business. Et ils t'offriront des armes chaque fois que tu libéreras une tour. Le vrai guerrier doit chasser. C'est dans l'ordre naturel des choses. C'est pas vrai. Regarde la carte. Choisis ton terrain de chasse. Fais confiance à ton instinct. C'est la société qui t'apprend à perdre à la nature. Ça, c'est vrai, par contre. Alors, on va aller sur la région des sangliers. Allez, sangliers. Là. Bon. Si tu veux sauver tes amis, tu dois connaître la jungle. Les peaux d'animaux et le... Oh, du craft, trop bien. Médicaments pour te soigner, affûter tes sens ou t'avantager. Faire de très grosses drogues bien puissantes. Quand tu auras maîtrisé la jungle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis censé faire quoi? Écoute ton instinct. Maîtriser la jungle, ça se fait pas en une journée, je pense. Atteignez la zone de chasse. Alors, pour les tyroliennes, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les tyroliennes? Alors, est-ce que je peux sauvegarder ou pas là-dedans? Oui, je peux sauvegarder. Ah, n'est pas disponible durant l'émission. D'accord. Une bagnole, très bien. Oh, je peux interagir avec. Ouh, alors là, c'est une grande première. Comment ça se conduit? Je crois que j'ai écrasé un oiseau. Ah, c'est pas du tout comme dans Borderlands. C'est pas avec la souris, c'est avec ZQSD. Donc là, il faut tourner. La souris fait tourner la vue, mais la voiture continue sa trajectoire. Mon repère est par là-bas. Essayer de pas mourir dans un accident de voiture. Un pont, un pont, un pont. Oh, je vois plein de gemmes. Je suis où là? Sortons la carte. Ah, je suis pas loin du tout de mon marqueur. Alors je devrais peut-être me ranger dans le coin. Genre ici.
On va faire un genre de créneau. Voilà. Plutôt un demi-tour. Comme ça, je suis prêt à repartir si besoin est. Ah, c'est quand même pratique, ces bagnoles. Chouette des caisses. Des cigarettes écrasées. Je vais profiter d'être ici pour voir un petit peu tout ce qu'il y a. Un coquillage. Ah, en fait, les gemmes sur la carte, c'est des caisses. J'ai bien compris. Et il y a des genres de symboles de gemmes. Ça doit être des caisses. Ou des objets à prendre. Là, il y en a une dans le coin. Dans l'arbre, peut-être. Est-ce qu'on peut grimper aux arbres? Non, bah alors je vois pas. Et ici, rien de plus. Bon, on va aller à notre marqueur. Mais je vais aller voir cette petite feuille verte. Qu'est-ce que c'est que cette petite feuille verte? Ah, des plantes. Du pandanus. Je préfère un jeu de mots avec panda et anus, mais je vais m'en passer. On les appellera feuilles vertes, je crois qu'il vaut mieux. La rose de porcelaine. Encore du pandanus. Ensuite, ah, est-ce qu'il y a du monde là-dedans? Je vois une feuille verte. On va essayer de pas sauter de la montagne. Je pense que je peux me faire mal. Sans feuille verte, j'ai ce qu'il me faut. Grouic. Un sanglier. Et il me faut de la viande, enfin de la peau. Les balles, c'est une ressource limitée. Ah, j'étais accroupi. Peut-être qu'il me voit pas. Ah, il m'a vu. Ok. Tu vas y arriver. Alors, appuyez sur échappe, sanglier. Trop tard. Ah, là, il est plutôt bien mort. L'herbe a déjà repoussé dessus. Est-ce que je peux en faire quelque chose de particulier? Ah, je peux le dépecer. Mort. Là, clin d'œil à Red Dead Redemption. De la peau de sanglier. Parfait. Là, il y a une gemme, donc une caisse, logiquement. Ouais, un conteneur. Là, il y a une feuille rouge, même si j'en ai déjà. Il me faudra une feuille bleue. Comme la nature a l'air d'être généreuse. Ah, sac à butin plein. Ah, faudra que j'en jette. Ah, j'ai entendu un autre grouic. Faudra une deuxième peau de sanglier, ça tombe bien. Il doit y en avoir un dans le coin. Il est là-bas. Oh, il y en a un juste là. Ah, c'est que ça tank, que ces bestioles. Reviens là, toi. Chasser le sanglier au pistolet. Si on m'avait dit que je ferais ça dans un jeu un jour, j'y aurais pas cru. Voilà. À un moment donné, des objets du sac à butin. Feuille verte, j'en ai trop. Comment on fait pour en déposer une? Oui, je veux l'abandonner. Putain. Ah, c'est pas très ragoûtant, je suis d'accord. Là, il me manque juste une feuille bleue. J'ai que 15 munitions maintenant dans mon flingue. Comme quoi les balles, c'est vraiment une ressource importante. Est-ce que je vais réussir à trouver une feuille bleue dans le coin?
Oui, il y en a une là. Dans le doute, je vais jeter un objet de mon sac à butin. Feuille verte, j'en ai qu'une. Deux. Feuille écarlate, deux. Et il m'en fallait qu'une, je crois. Donc, hop, je peux en déposer une. Voilà, c'est la feuille bleue. Ça a l'air d'être sous l'eau. Ce petit machin là. Ah, c'était un tout petit truc. Alors il n'y a pas de jauge d'air. En tout cas moi j'en ai pas de vue. Et faites un déplacement rapide pour aller retrouver Denis à Amanaki. Ah, c'est vachement joli. Oh, il y avait un truc rouge. Ah, il y avait un crocodile juste à côté de moi. Alors, j'ai vraiment eu de la chance, quoi. Vous le voyez, là, juste sous les nénuphars. Là, je suis en plein vers son œil, sa gueule. J'ai vraiment eu du pot. Je vais utiliser mes balles bêtement. J'en ai déjà perdu deux. Alors, le voyage rapide. Sympa le petit conseil, tirer à vue sur les hippies. Donc, ouvrir la carte, choisir l'icône de déplacement rapide. Voilà, on double-clique et ça nous déplace. Bon, ça va être pratique puisque l'île a l'air d'être assez grande pour relier différents lieux. Voilà, je vais aller parler vite fait à l'homme de la jungle. Elle est sympa cette quête. Hein, c'est quoi ça? Je peux acheter un bon fusil de snipe. $1100, j'ai $400. Ça, je pense que dans la jungle, ça doit être très pratique. Sinon une bonne mitraillette aussi, ça peut être pratique. $425 celle-là. Il manque pas grand chose. $600. $900. Ouais, je dois avoir plein de trucs à vendre, je suppose. Oui, il y a du moustique. Je vais me faire piquer, je vais choper la malaria. Non, ça je veux pas y retourner. Je veux sortir. Par où est la sortie ? La porte rouge. Alors, objectif de quête, il est là-bas. Denis, et les plantes et les animaux. Viens, tu vas imposer ta volonté à la nature. Je t'apprendrai. Alors, fabriquer des seringues, donc confection. Alors, sers-toi de tes plantes pour fabriquer deux seringues. Seringue, glacée en haut. Médical. Ah, oui, sélectionné. Remède. Alors, maintenez A pour soigner 2 barres de santé. Feuille verte, posséder 2, requis 1, donc je peux en créer 2. Bien, Jason. Voilà. Trouver des plantes plus puissantes dans la jungle, avec un peu de chance. Maintenant, utilise les peaux de tes gibiers pour transporter plus d'équipements. Tu peux confectionner de quoi transporter plus d'armes. Ça doit être là. De butin ou de seringue. Sac à butin. Sac à butin simple, je peux augmenter à 32 objets. Ah, il me fera 2 pots de tapir pour Tu progresses le long du chemin. Je vais te montrer comment les utiliser. Pour chaque tatouage, une compétence est maîtrisée. Tu peux décider de maîtriser 3 disciplines différentes. Là, je vais t'apprendre l'élimination. L'élimination. Alors, là j'ai le héron. D'accord, c'est des arbres de skill en fait. J'ai le héron, élimination à distance et mobilité.
Le requin, élimination d'assaut et soins. D'ailleurs, ça c'est élimination. Et l'araignée, élimination furtive et survie. On peut faire une glissade en courant. Donc là, il m'a dit qu'il me prenait élimination. Donc, je vais apprendre cette compétence. D'accord. Là, je dois en choisir une autre. Alors, qu'est-ce qui va être le plus pratique ? Le lancer de grenade ou la glissade en course ? Ah, peut-être le lancer de grenade quand même. Tu es très doué, Jason. Le tatouage est... Il progresse, il s'étend. Ah, ils sont juste à côté du village. Alors, je dois monter avec lui. C'est quoi cet avant-poste où ils détiennent Lisa ? Les avant-postes sont des places fortes partout sur Rook Island. Grâce à eux, les pirates de Vaas contrôlent tous les environs. Tu m'en diras tant. C'est vachement joli, quoi. Un au Rakiat, la zone devient plus sûre. On peut voyager plus vite et des occasions de développer. Sachant qu'en plus, les vidéos sont compressées, donc perte de la qualité. Oui, vous n'avez pas la même qualité que ce que j'ai sur mon écran. C'est quand même vraiment magnifique, quoi. Qui vivent au cœur de l'île, ils sont froids en toi grâce à ton tatouage. Hé, j'apprécie votre aide. Je veux seulement sauver Lisa et mes amis. Mon frère. Ah, ton frère, il est mort. Ah ouais, alors direct, je suis le chef de la troupe et tout. Jason, Dennis t'a donné le tatouage. Maintenant, tu dois te battre. Ah mais j'ai un petit pistolet dans une main, vous avez des mitraillettes, pourquoi c'est moi qui vais en premier, quoi. C'est ton choix. Bah je vais choisir de m'infiltrer, j'ai pas trop le choix. Alors, c'est dans cette zone. Choix de l'arme, qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, j'en ai qu'une d'arme. J'ai même pas de grenade. Alors moi, je vais choisir l'infiltration. Lisa, j'arrive. Bon, alors, j'espère que cette prise d'assaut va pas se transformer en remake de Scary Movie. Alors, là, je vois déjà un ennemi là-bas. Et puis c'est pas avec la précision de mon petit flingue que je pourrais faire grand chose. Ouh, il y en a un autre là. Restons discrets. Une poule. Ah, des nouvelles compétences de débloquer. Il doit y avoir... des klebs dans le coin aussi. On va faire un petit tour du propriétaire. On va prendre la feuille écarlate. Alors, je suis en plein dans la zone. Je suis tombé sur personne, j'ai eu de la chance. Il y en a un qui s'est fait piquer par un insecte.
lui il me tourne le dos, ce serait peut-être le moment de rentrer. On va essayer, continuons d'être discrets. Le problème c'est qu'il y a des clébards, si les clébards me sentent, je pense que je peux être dans la merde. Drapeau rouge, ça va être là qu'il faut que j'aille. Ah, il est là le clébard. Je peux pas aller jeter une pierre d'ailleurs. J'ai pu lui jeter une pierre. Peut-être qu'avec un peu de chance, personne me verra là. Drapeau rouge. Je peux rien faire, d'accord. Perdu. Bon, j'ai appris élimination, donc je peux éliminer les gens par derrière aussi discrètement. On va essayer. Je me souviens qu'il y en avait un qui était tout seul dans le coin. Ah, je dois éliminer tous les pirates de l'avant-poste, donc là, pas le choix de faire la quête en étant discret et tout. Je dois pas être dans le meilleur coin. Pour la discrétion, on repassera. Bon, on se planque. Là, je suis vu. Oh, bah, y a un cadavre ici déjà. On va essayer de les brain un petit peu. Parce que s'ils me voient pas, ils savent pas où je suis. Ah bah y'a mes collègues qui sont là. Allons-y les collègues. Eux ils sont tous là-bas derrière et mes collègues sont tous là devant. Oh, y en a un qui va passer dans le coin. Joli la glissade. Ah, il se doute pas du tout où je suis. Et s'il s'en doute, c'est trop tard. Ah, le coup. Voilà, bah, au final, ça s'est plutôt bien passé. J'ai quand même pris un sacré coup de mitraillette dans la tronche. Ouh, j'ai une balle dans le chargeur là pour qu'il soit retiré comme ça. Ah non, j'ai juste plus de munitions. J'ai vraiment eu de la chance alors avec les derniers. Voilà, bah, mon flingue étant vide. Je peux pas. Ouais, je peux rien en faire. J'ai gagné un point de compétence et une mitraillette. Un AK-47. Je cherche le riz gratos. Comment on fait pour les compétences? C'est ici, compétences. Alors j'ai appris quoi? Ici je peux faire visée précise. Pour stabiliser le réticule deux fois plus longtemps en utilisant une lunette. Là je peux apprendre quoi? Les barres de santé incomplètes se régénèrent 50% plus vite. Ah, ou diminuer les dégâts dus aux explosions de 50%. Et là, j'ai la glissade. Bon, je vais peut-être prendre la glissade, parce que ça avait l'air d'être pratique quand même. Et ensuite, j'aurai quoi? Obtenir une récolte doublée sur les plantes. C'est le truc de craft, là. Excellent! Le couteau de lancer. Hitman, me voilà. Alors, mon tatouage s'agrandit une fois de plus. Bon, je vais looter cet endroit pendant que ça a l'air d'être tranquille. La viande de chien. Comme quoi les chiens ça sert pas juste à faire alarme. D'ailleurs je peux en faire quelque chose. Oh, on peut les dépecer. Oh, on a pas la petite interaction comme c'est dommage. Je peux essayer de la faire.
Ah, on voit les traces et tout. Voilà, je t'aurais dépecé moi-même. Est-ce que tu me donnes des choses, toi? Un cochon. Alors, le cochon, par contre, on peut le dépecer, y a pas de soucis. Moi, je préfère un kit de seringue. Je le saurai. Et donc maintenant, je peux aller dans cette porte rouge. Sauvons Lisa, oui. L'avant-poste près d'Amalaki a été attaqué. Où est la prisonnière américaine? On l'a perdue. Quoi? Mais elle a pris la fuite dans l'ouest de cette putain d'île. Je t'en dirai plus quand on y sera. Elle s'est enfuie. Elle s'est sauvée. Vas-y, faut noter la fréquence radio là pour les écouter et tout. Tu es digne de suivre. Tu fais honneur à ton tatouage. On a trouvé un de tes amis à la maison coloniale. Mais il était mort. Chez le docteur Hernard à l'ouest. Mais ne t'inquiète pas, l'endroit est sûr. Le docteur attend ton arrivée. L'ouest? Vous savez de qui il s'agit? Non, mais nous allons continuer d'essayer de trouver les autres. Je t'avertirai par radio si j'ai des infos. Bon bleu torse, Jason. La tribu est très impressionnée. Vas-y, moi je vais retourner d'ailleurs. Il y a des trucs là-dedans. Alors, pourquoi ça m'a ouvert la carte automatiquement? J'en ai pas besoin pour le moment. Champignon des tréfonds. Ce sera la prochaine quête. Là, je veux juste aller voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, je peux ouvrir quand même, il y a bien des choses à prendre. Voilà, une carte mémoire, du pognon et des métaux en fait. Rien d'autre. Des flingues à vendre là-dedans. Mais bon, j'ai récupéré un AK, donc je vais peut-être garder mon pognon. Il faudrait déjà que je me crafte des trucs pour porter plus de munitions. On va voir au niveau... Ah, il y a plein d'objets à collectionner. Des lettres perdues pendant la Deuxième Guerre mondiale. Refuge. Chaque refuge contient un magasin automatisé permettant d'acheter du matériel ou de personnaliser des armes. Ça, c'est pratique aussi. Des défis. Le classement. Les pirates de Vast, d'accord. Ça c'est intéressant, il y a vraiment aussi des informations sur tout. Au niveau compétences, est-ce que je peux en apprendre une autre? Point de compétences disponible? Non. Donc c'est pas la peine. Je peux voir mon tatouage. Ah oui, donc le tatouage peut aller très très haut. Je suis vraiment tout en bas. Et en confection, est-ce que je peux confectionner certaines choses? Kit de seringue, 2 sur 3. Combat 0 en stock. Je peux en fabriquer une. Ah, ça annule l'effet des brûlures, ça peut être pratique. Je peux y mettre en quoi? Je vais y mettre en... En sac qui n'a pas de touche. Je mettrai une touche plus tard. Là-dedans, est-ce que je peux faire quelque chose? Des holsters d'armes, il me faut de la peau de chèvre, donc je saurai si je vois une chèvre, elle prendra cher. Portefeuille pour avoir plus de thunes. Ah bah la peau de cochon, voilà, ça sert. Transporter jusqu'à 2000$. Kit de seringue. Oh, je serais pu en faire un aussi avec une peau de cochon. Autant avoir du pognon. Cartouchière. Il me faut des peaux de sanglier. Pour avoir plus de munitions. Ah ouais, donc il va vraiment falloir s'amuser à tuer les animaux. Voilà, ben pour ce début de Far Cry 3, ça m'a l'air d'être un jeu vraiment très complet, très beau graphiquement, bien punchy, bien difficile. Il y a deux trucs bleus là-bas, qu'est-ce que ça peut être?
J'ai même pas fini de looter tout l'endroit en plus. Voilà, il y avait plein de munitions par exemple. Et ça c'est quoi? Ah, reward, une récompense. D'accord. Chasse au fusil à pompe pour les chiens enragés. Bon allez, je vais faire cette petite quête rapidement. Je peux prendre cette voiture? Je peux prendre cette voiture. C'est vraiment pas évident à conduire. Oula, non, c'est pas évident à conduire du tout. J'essaie de pas mourir dans un accident de voiture, ce serait dommage. Alors, je dois aller ici. Ça, c'est du freinage de beau gosse. Oh, je viens d'avoir une mitraillette. Qu'est-ce que je vais faire avec un fusil à pompe? Bon, je pourrais la récupérer par la suite. Et je dois tuer 5 chiens enragés. Et j'ai 6 munitions. Bon, essayons de trouver ces chiens enragés. Bon, le viseur est énorme. Essayons d'être discrets. Quoique c'est des chiens, ils vont me sentir dans tous les cas. Où êtes-vous? Les chiens! Ah, ils sont dans cette zone, là je suis dans la zone bleue. Là-dedans j'ai des seringues, j'ai une grenade, j'ai pas de seringue de santé par contre. Comment est-ce qu'on peut les prendre rapidement? Parce qu'on sait jamais. Confection médicale. Ah non, c'est avec A, d'accord. Bon, on va bien les trouver ces chiens. Je croyais avoir vu quelque chose, mais non. Là, derrière la feuille. Voilà, évidemment. Voilà. Ah, merci le remède. Eh ben, mes deux remèdes, ils y seront vite passés. Il reste encore deux chiens. On va se relever. Reste accroupi, c'est pas une bonne idée. Il y en a un juste là. T'étais dans le viseur de mon canon. Ah, les chiens enragés, on peut les dépecer. Par contre, il n'y a pas de souci. Je pourrais faire une bandoulière. Il y en a un dans le coin, je l'ai entendu grogner. Peut-être qu'il a été blessé parce que je vois du sang ici, mais pas de cadavre. Viens là, toi. Ouais, c'est dégueu, mais il le faut. Il est là. Le fusil à pompe, en tout cas, ça ne pardonne pas. Ça m'aura fait un petit peu de pognon. Qu'est-ce que c'est qui me voit là? Une bagnole de méchant. Le réflexe, merci les branches, quoi. Ah, comme quoi, on est vraiment en sécurité nulle part. Je voudrais bien les récupérer, ma mitraillette. Ah, mais là-bas aussi, des méchants qui ont tué des gens.
Où est ma mitraillette? Elle était vers ma voiture. Il y a un coffre caché. Ah ouais, on apprend plein de choses en fait ici. C'est plutôt par là. On va retourner vers le point bleu. Parce que j'ai fait ce chemin en sens inverse. Un pirate tue des villageois quelque part, entre ici la maison du docteur. Tuez-le au couteau. Moi je le tuerai à l'occasion. Ça c'est quoi? De l'argent. Bientôt assez pour m'acheter un fusil de sniper si ça continue. Ah, c'est une chèvre! J'avais besoin d'une peau de chèvre! Par contre... Ouais, le bruit de la détonation a attiré du monde. Ouais, je peux faire un carquois simple maintenant. Par contre, j'entends qu'on veut me venir dessus. Et moi, je voudrais bien retourner à la ville. Tant mieux si vous m'avez perdu. J'ai une munition. Il y a un ennemi qui est juste là. Qui est droit devant sur le regard de la map. Et il est pas tout seul. On va essayer d'être discret. Je ne le vois plus. Voilà, ils sont plusieurs. Est-ce que je peux être discret et le tuer dans les plantes? J'ai eu élimination, autant pouvoir s'en servir. Allez, c'est parti. Ah, je les rattrape pas par contre, accroupi. Faut vraiment être rapide. Je l'ai eu. Et lui aussi. Donne-moi tes mitraillettes. Et toi, donne-moi 4$. Bon, et maintenant que je suis ici, est-ce que je peux faire mon voyage rapide jusqu'à Manaki? Je peux. Voilà, donc maintenant j'ai ma mitraillette, j'ai eu un petit peu d'argent. C'était ma première vidéo sur Far Cry 3, j'espère que ça vous aura donné un aussi bon aperçu, une aussi bonne envie de continuer le jeu que moi, parce que je suis vraiment emballé. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez des questions, si vous voulez laisser des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner, aimer, partager, ne pas aimer, m'en faire part. Je suis ouvert à tout. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite de Far Cry 3.